Samy? J'arrive, maman. Bonjour. Joey! Joey? C'est moi! Sally! C'est moi! Lucie! Oui, maman! Aïe! Oui! Bonjour! Benny! Présent! Timmy? Oh, je suis là! Ami! Ami? Es-tu là? Bonjour! C'est pas ma place habituelle. Qu'est-ce que tu fais là? D'habitude, je suis à gauche et moi à droite. Bah alors, changeons de place. Nous nous sommes trompés. Oh, voici l'histoire de 7 petites souris. Toutes du même âge, toutes de la même famille. 7 frères et sœurs. Et leur maman et leur papa. C'était super, super chouette. Lucie, tout le monde t'a acheté des boules de neige. Oui, et j'ai trouvé ça très drôle. Et Penny s'est caché derrière un arbre. C'est pas vrai d'abord. Penny, t'es qu'un petit bébé. Timmy. Oh, je t'ai eu, je t'ai eu. Je t'en remercie beaucoup. À ton tour. Ah non, non, attends. Je t'ai eu. Tiens. Souvenez-vous deux, il fait un froid de loup. Vite à la maison. Joey, allez, dépêchez-vous, on rentre. Raté. On part quand vous venez ou pas? Il fait au revoir, vous deux, on s'en va. Non, attendez-moi. Voici qui reviennent enfin. Oh, le temps est glacial aujourd'hui. Je vais activer le feu pour garder la maison bien chaude. Rentrez vite, les enfants. Précipitation. Où sont Timmy et Amy? Je sais pas, on les a laissés. Ils font une bataille de boules de neige. Je n'aime pas les savoir seuls. Coucou, maman. Nous sommes rentrés. Pourquoi avez-vous mis tant de temps? Vite. Prêt, le premier. Et moi le second. Attendez-nous. Une petite seconde, les enfants. Vous repartez jouer dehors? Nous allons sur le lac. Oui, faire du patin à glace. D'accord, maman. C'est entendu, les enfants, mais je veux que vous soyez prudents. Jurez, maman. À tout à l'heure. Au revoir. On fait la course? D'accord. Debout, Benny. Allez, relève-toi. C'est parti. À plus tard, maman. Attendez-nous. Surtout pas d'imprudence. Ami, Timmy, vous ne vous quittez pas. Je suis heureuse qu'ils ne craignent pas le froid. Ça, c'est grâce à Papa Souris. Timmy, tu es resté à la maison toute la journée. Pourquoi tu n'irais pas jouer dehors? Oh, j'ai pas envie. Oh, pourquoi donc? Il fait trop froid dehors. Oui, un froid glacial. Oh oui, alors. Je sais, mais les enfants aiment jouer au froid. Si vous restez toujours enfermés, vous ne deviendrez jamais ni grand ni fort. Tant pis. Tant pis. Je déteste le froid, moi. On doit aller bien froid. Bien trop froid. Oh, Papa Souris, qu'est-ce que je peux faire? Je crois que j'ai une bonne idée. Je vais leur apprendre à patiner sur le lac. Vous ne trouvez pas que c'est amusant d'apprendre à patiner? Je ne sens plus le froid. C'est le jeu le plus drôle du monde. Dis papa, si on s'entraîne tous les jours, on pourra devenir un champion comme toi. Bien sûr, et vous pourrez même danser en un rien de temps. On va savoir bien patiner, c'est super. Ouais, moi aussi. Quoi? Papa, rattrape-moi s'il te plaît. Aïe.
courage, courage, ça commence à venir. Ouais. Regarde les enfants, cela me fait plaisir de les voir si heureux. Oh, 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 oh. Youpi! Oui, le dernier arrivé au lac n'est qu'une banane. Venez, nous allons patiner en plein milieu du lac. Cette fois, je viens avec toi. C'est une idée géniale. Championne, toi. Tu as été fabuleuse. Pas comme quelqu'un que je connais. Tu verras, je ferai des prouesses moi aussi. Hein, hein, hein. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous voulez le savoir? Oh, oui, allez y voir. Hop, c'est parti, vous me suivez. Youpi! C'est parti. Attendez-moi. Attendez-moi. C'est extraordinaire, ils s'amusent comme des petits fous. Tiens, c'est Monsieur Belette. Oh oui, c'est bien lui, avec son fils. Mais qu'est-ce qu'ils font? Bonjour, Monsieur Belette. Oui, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites, dites? Mais c'est pas dur à deviner, on fait un trou dans la glace. Tu as vu, ils font un trou dans la glace. Mais bien sûr, c'est évident. Ah, c'est vrai? Et pourquoi faites-vous un trou dans la glace? Pour pouvoir pêcher. Vous allez pêcher ici, sur le lac? Ça a l'air très rigolo. Comment les poissons arrivent à vivre sous la glace? Il fait trop froid. Pas pour les poissons. Benny, relève-toi. Regardez la taille de ce trou. Ça a marché, papa. Vas-y, essaye-moi, fiston. Oh, merci. Poisson, je vais vous attraper. Tu crois vraiment qu'ils vont attraper des poissons? Ben, j'en sais rien. Vous avez vu tous ces poissons? Oh, c'est incroyable! Je vais en prendre plein d'autres. C'est un excellent poisson. Ça a l'air très drôle. J'aimerais pêcher moi aussi.
Bon, ben moi, je continue à pêcher. Oh, j'ai une touche. Oh, elle me paraît énorme. Oh, il en a pris un autre. J'ai du mal à le croire. Je suis le champion des pêcheurs. Bravo, mon garçon, continue comme cela. J'aimerais bien attraper plein de poissons, moi aussi. Enfin. Oh, voici encore. Oh, youpi. S'il te plaît, papa, je t'en prie. Emmène-nous pêcher, s'il te plaît, papa. Oh, dis oui. Papa, sois gentil. C'est très important. Oui, on en a très envie. Je suis désolé, mais je dois aller travailler demain, mes enfants. Hein? Mais demain, c'est dimanche. Oui, je sais bien. Oh. Ne vous inquiétez pas, papa vous y emmènera bientôt. J'adorais aller pêcher avec mon père lorsque j'avais votre âge. C'est pas vrai. Tu pêchais, toi? C'est vrai, maman? Oui, c'est la stricte vérité. Vous pouvez me croire, votre maman était un as de la pêche. Alors maman peut nous emmener? Mais c'est vrai, allons-y. Quoi? Tu nous emmènes pêcher? S'il te plaît. Je n'ai jamais pu avancer sur la glace sans tomber. Ça ne fait rien, Ami et moi nous te tiendrons la main. C'est très gentil à vous, mais et si je pose le pied sur le lac, je vais sûrement me casser quelque chose. C'est pas un problème, maman. Je tombe tout le temps et je me fais jamais mal. Oh, ça oui. Mais c'est trop me demander, je suis navrée. Bon, je vais laver la vaisselle. Oh. Oh. Je rêve vraiment d'aller pêcher, moi. Nous avons des cannes à pêche en plus. Mais on ne peut pas y aller tout seul. Dis papa, c'est vrai que maman avait l'habitude de pêcher quand elle était toute petite. C'est exact, oui. Dans la famille de ta maman, tous les hommes étaient pêcheurs de profession. Non, vraiment? J'aurais aimé que maman nous apprenne les secrets de la pêche. Moi aussi. Dis, que pourrions-nous faire pour l'empêcher de tomber? Eh bien, je crois que je viens de penser à quelque chose. Dis-le, papa. Écoutez-moi bien. Voici mon idée. Timmy, attention de ne pas tordre les clous. Oh, ne t'inquiète pas. Vous vous débrouillez? Oui, très bien. Papa nous donne un coup de main. Oh, tant mieux. Oh, oh Benny, fais attention. Aïe, oui, oui, oui. Je t'avais bien dit de te méfier. C'est toi qui m'as fait peur en disant ça. Qu'est-ce que vous faites? Ça a l'air drôle. Ne rentre pas, il faut attendre demain. Tout ce temps? Oh non, je meurs d'impatience. Maman, viens vite voir. Dépêche-toi, maman, allez, viens vite. Dépêche-toi, vite, vite, maman, maman. Mi, pourquoi cries-tu comme ça? Est-ce que tout va bien? Oh, j'ai pas le temps de t'expliquer. Tu me suis, s'il te plaît? Timmy, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Oh, non, maman, il faut juste que tu te dépêches, maman. Bon, c'est entendu, un petit instant. Voilà, je suis prête. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Conduis-moi. D'accord, on y va. Je suis inquiète. L'un de vous se serait blessé en patinant. Tu verras une fois là-bas. Bonjour, maman. L'un de vous est blessé. Quel est ce problème? Personne ne s'est fait mal, maman. Vous allez me dire ce qu'il y a? Maman, c'est un cadeau pour toi. Nous l'avons construit hier soir avec papa. Oh, un traîneau rien que pour moi. Vite, vite, installe-toi, maman. Installe-toi, c'est formidable. Merci, ma chérie. On y va, madame la championne de la pêche. On y va. Maman, tu peux nous tenir les appâts, s'il te plaît? Bien sûr, Lucie. En route. Attention au départ. On y va. Yayo! 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 Nous y sommes! Oh, l'eau n'a pas regelé.
génial. Ça, c'est une bonne surprise. Tu nous dis ce qu'il faut faire, maman? Oui, nous avons hâte de prendre des poissons. Eh bien, il faut d'abord accrocher un appât à votre hameçon. D'accord. Joey, ta canne à pêche, s'il te plaît. Tiens. Merci. Vous, vous allez jouer assise au papier caillou pour savoir qui commence. Bonne idée. Vous êtes prêts? On est prêts. Ciseaux, papier, caillou. Je n'avais pas pêché depuis si longtemps que j'avais presque oublié comment on s'y prenait. Mais caillou. Je ne voulais pas les décevoir. Il ne reste plus que moi, je suis le premier. Ensuite, ce sera à mon tour d'essayer. D'accord. La canne, s'il te plaît, maman. Merci, je vais attraper beaucoup de poissons. Bonne chance, Samy. Je sens que ça mord. On sort les vides de l'eau. C'est ce que j'essaie de faire. Remonte-le. Me tire plus fort. Oh, c'est un énorme poisson. Ah, ah, fantastique. Il n'arrête pas de gigoter. Qu'est-ce que je fais? Ne le laisse pas partir. J'arrive te donner un coup de main. Je tiens. Dépêche-toi, maman. Le poisson va s'enfuir. Et voilà. Tu ne le laisses pas partir, hein? Ne crains rien, Samy. Tiens. Ça a l'air facile. Donne-moi la canne, c'est à mon tour. On a attrapé un gros poisson, un petit frère. Je vais en prendre un bien plus gros. Joey, dépêche-toi, j'ai hâte d'essayer. Waouh! J'ai une touche. Oh, il est drôlement costaud, dis donc. Oh, où est mon poisson? Et à qui est cette chaussure? Ça? Mais c'est le poisson que tu as pris. Tu as pêché un vieux soulier. Maintenant, à mon tour de tenter le coup. Oh, c'est pas juste. Il se passe rien du tout. Où sont passés les poissons? Poisson, poisson, montrez-vous. Ils sont peut-être partis en vacances. C'est curieux qu'ils ne mordent pas. Il y a sûrement un petit problème. La famille Belette a attrapé beaucoup de poissons, et pourquoi pas nous? Jimmy? Jimmy, réveille-toi. Ah, c'est à ton tour. Oh, merci. Je commence à avoir faim. Nous aurions dû apporter de quoi déjeuner. Mais nous étions censés déjeuner avec tous les poissons qu'on aurait pris. Je sais, voilà pourquoi vous devez persévérer. Oh, je vais faire de mon mieux. Tu es un bon petit. Un bon petit, un très bon petit. Moi, je vais aller patiner. La 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 la. Voilà, vous n'allez pas tarder à vous réchauffer. Tiens, bois vite, maman. Merci, Ami. Oh, ça y est, j'en ai un. C'est pas trop tôt. Bravo, Timmy, t'es génial. Ouais. Vite, rattrapons-le, vite, il va retourner à l'eau. Je tiens. Ouah, super. Bravo, Timmy, t'es fantastique. Donne-le-moi. Oh, mon premier poisson. Oh, attention. Oh, bravo, maman, c'est pas juste. Il est retourné à l'eau. Il est tombé dans l'eau. Si vous me laissiez essayer à présent, les enfants. Oui, à toi, maman. Oui, bien sûr, maman doit s'amuser aussi. Assieds-toi sur le traîneau. Nous allons te pousser. Oh, Iris! Oh, Iris!
À vous de jouer, madame la championne. Bonne chance. Je te remercie. Maman, dis-nous quand ça mordra, nous tirerons en arrière. C'est gentil, je vous préviendrai. Maman, tu peux reprendre celui que j'ai perdu? Essaie d'en pêcher beaucoup pour le déjeuner. J'ai pris un poisson, mais il en faut encore 7 autres. Ce serait bien d'en remonter autant, mais je crains... Ne t'inquiète pas, tu te débrouilleras très bien puisque tu es une championne. Je te remercie, Lucie. Je vais faire de mon mieux. Ah, le voilà qui arrive. Le traîneau va tomber. Oh, ce doigt est un poisson gigantesque. Aidez Joey, Sally. J'ai toujours su que tu étais une championne. Est-ce qu'ils sont cuits? Ça ne devrait plus tarder. Ah, oh, ils ont l'air délicieux. Ah oui, alors. C'est exquis. C'est un vrai régal. C'est très, très, très bon. Maman, qu'allons-nous faire du poisson qu'il nous reste? Tu sais à qui nous allons l'offrir? À papa, c'est ça. Bien sûr, Joey. Et la prochaine fois, nous emmènerons papa. Dis, maman, pourquoi est-ce que nous rapportons cette chaussure? Tu sais bien ce que dit toujours papa. Il ne faut jamais laisser de détritus derrière soi. C'est vrai. Et puis, ce serait triste d'abandonner le poisson de Joey. Oh. Papa va être si heureux de savourer son poisson. Nous sommes retournés souvent sur le lac. Mais aucun des enfants n'oubliera jamais ce premier jour de pêche.